Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur 7 Days, 7 Wonders pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous montrer aujourd'hui mon incroyable talent. Donc pour cet incroyable talent, nous aurons besoin de farine, de sucre, de lait, de matière grasse, accessoirement d'œufs que je n'ai pas pris avec, d'un récipient, et d'une poêle. Et non, cette poêle ne sert pas à taper vos voisins. Et pourquoi pas d'une cuisine aussi. Donc je vais vous emmener avec moi dans ma cuisine. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, donc voilà, nous sommes dans ma cuisine et nous allons faire une pâte à crêpes. Voilà, donc une fois que vous avez obtenu une pâte qui ressemble à ceci, je pense que nous sommes d'accord que c'est très beau. Et que maintenant il va falloir faire cuire. La première crêpe est prête à se faire frire. Donc en un petit tour de magie, vous allez voir qu'elle sera cuite. Et voilà, on se retrouve avec une belle crêpe. Bon allez, on y retourne. Donc on refait une deuxième crêpe. Est-ce que vous avez déjà vu un vrai tour de magie? Non mais parce que ça se voit pas comme ça, mais je suis magicienne en vrai. Hein. Non mais sérieux, hein. Je vous jure. Hein. Non mais je vous demande ça parce que je viens de faire un tour de magie avec une crêpe. Alan. Alors ça, c'est pas une vraie crêpe de princesse. Allô quoi, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc maintenant on a fait la crêpe de princesse. Et je voulais une crêpe de chevalier. Des fois que mon chevalier l'arriverait sur son cheval blanc. Ça a pas marché, hein, mais bon. Au cas où, j'en ai fait une quand même. Ta-da. Une crêpe bleue. Des crêpes bleues. Bon, après la bleue, à votre avis, ça va être quoi? À vous de deviner. Alors maintenant, ma baguette magique vous a donné une crêpe un petit peu spéciale. Je sais pas exactement ce que c'est, vous allez voir par vous-même. Si vous voyez quelque chose, vous êtes un artiste. Voilà. Elle a essayé de faire un arc-en-ciel, ma baguette magique n'a pas très bien réussi. Hein. Voilà. Bon. On verra bien. Hein. Et ben voilà, vous avez maintenant découvert mes talents de magicienne que je suis, de princesse, d'essayer d'appeler un chevalier sous un bel arc-en-ciel. Il n'y a pas de chevalier, pour l'instant j'ai pas une belle robe de princesse et il pleut pas pour faire d'arc-en-ciel. Et voilà, ma baguette de magie s'est mise en RTT, elle a dit j'en ai marre, je suis pas assez payée. Elle a décidé de faire grève, elle était un petit peu fatiguée aussi parce que je la mets un peu trop à contribution, donc voilà, donc cette vidéo n'aura pas duré longtemps, mais j'espère qu'elle vous aura plu, et puis voilà, donc rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouvelles bêtises, je peux dire ça comme ça, à bientôt.